Bonjour à tous, le CAC 40 est prudent ce matin dans les premiers échanges, alors que Wall Street a terminé en légère baisse pour sa première séance de la semaine. Les rumeurs se poursuivent autour d'Alcatel-Lucent. Nokia se prépare bien à racheter les réseaux de téléphonie mobile de l'équipementier franco-américain. C'est ce qu'écrivent Les Échos et l'agence Bloomberg. LVMH a vu sa croissance organique ralentir au premier trimestre 2015 sous l'effet d'une décélération attendue au Japon et d'une poursuite des déstockages de son cognac Hennessy en Chine. Et puis Total présentera jeudi au syndicat son plan de restructuration du raffinage en France, selon une source citée par l'agence de presse Reuters. Gros contrat pour Veolia, cinquième entreprise mondiale du marché nucléaire. Le coréen KHNP a choisi le groupe français à travers ses filiales Veolia Eau France et Veolia Eau Corée pour exploiter l'installation de traitement des eaux du plus important site nucléaire sud-coréen, Corée Division, pendant 3 ans. Le contrat remporté par Veolia porte sur le traitement de l'ensemble des eaux d'alimentation de la centrale. 73 salariés sont mobilisés sur ce contrat. Fin de ce flash, je vous retrouve tout à l'heure à midi.